You look lonely. I can fix that. Eh bien, salut à toutes et à tous, Slime Company. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver pour le troisième épisode de notre aventure sur Prey. Nous sommes dans l'espace, nous sommes devant la Lune, elle est magnifique. Où est la Terre d'ailleurs? La Terre doit être de l'autre côté, à mon avis. Enfin, de l'autre côté, si je puis dire côté, puisque y a pas vraiment de sens dans l'espace. Oh non! Bon, bah voilà. Oh, c'est beau, les petites nébuleuses, tout ça, c'est magnifique. Donc pour cet épisode, comme convenu, voilà, on a de nouveau des munitions dans notre pistolet, c'est parfait. On va aller se rendre à l'atelier du docteur Calvino. Voilà, on va essayer de continuer, puisque maintenant qu'on a un inventaire un petit peu plus léger. Ouais, je dis ça, mais en fait pas vraiment. Mais surtout, voilà, on a de nouveau une arme disponible. Mais d'abord, un petit tour au musée, parce que ça m'intéressait, là, dans le dernier épisode, à la fin, ce qu'il racontait. On va un petit peu écouter. 1963. Kletka, un centre de recherche né de la collaboration des Américains et des Soviétiques, marque l'apogée des négociations top secrètes de la guerre froide. Signifiant « cage » en russe, Kletka est à l'origine de l'armature et des systèmes principaux d'urgence de ce qui allait devenir Talos One. Très stylé. C'est fictif, hein, me semble-t-il. Hein. On va peut-être pas refaire le passé, mais voilà. 1964. Après la tentative d'assassinat sur le président Kennedy et le départ de Khrouchtchev, les États-Unis doivent s'acquitter de droits d'exploitation afin de conduire des tests à Kletka. Cette période, connue sous le nom de Projet Axiom, voit un progrès significatif dans les domaines des matériaux nouvelle génération et des biosciences indispensables à la modification neuronale. Voilà, il n'y a pas de doute. C'est fictif. 1980 à 1994. J'avais eu un doute. L'évolution de la situation géopolitique provoque l'arrêt temporaire du Projet Axiom. Après le malheureux incident de Pobeg au cours duquel deux chercheurs perdirent la vie, le centre Kletka est démantelé, puis nettoyé. 2025. Création du conseil d'administration de Transtar. Transtar achète et privatise le centre Kletka sous couvert d'une vision se concentrant sur la sécurité et des améliorations à la pointe de la technologie. 2030. Talos One, monument de l'industrie spatiale privée, devient totalement opérationnel. Le premier neuromode permettant des améliorations révolutionnaires du corps et de l'esprit humain devient accessible au public. Incroyable. Mais on y arrive. Hein. 2025. C'est terrible. 1900... C'est terrible, c'est terrible. J'adore ce jeu. Bon, Emmanuel Da Silva, là, on s'en fout là de son machin. Puisqu'on peut pas y aller encore pour le moment. Mais par contre, attendez, mais non, mais j'avais un cadavre à retrouver ici, il me semble, non? Ah oui, mais l'ascenseur était foutu. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, on va remonter, on va se rendre du coup à l'atelier du docteur Calvino. En tout cas, j'espère jusqu'ici que vous kiffez ce petit let's play, cette petite aventure. Enfin, je dis petite, mais c'est vraiment une grande. Et en vrai, j'ai envie de save cette zone. J'ai envie de save cette zone maintenant, là. J'en ai marre, là. J'en ai marre de faire ma victime. Je peux pas y aller. En plus, il y a des bonbonnes, là. Il n'y en a que deux. Pardon. Oh, j'ai trop le seum. Franchement, j'ai trop le seum. Je pensais vraiment que ça allait se passer mieux. J'ai pas compris pourquoi j'ai pris des dégâts. Mais c'est pas grave, je vais me les faire. Je vous ai dit, je vais me les faire. Je vais me les faire, j'ai envie de safe cette zone là. Parce que c'est un peu la zone centrale, principale, on peut accéder de partout d'ici. Et j'ai l'impression qu'il puisse pas ouvrir les portes. Attends, on va voir. Est-ce qu'il arrive à ouvrir la porte? De lui-même, je pense pas. Hein. Ah. Ah. Bon bah... Dans ce cas-là... Dans ce cas-là, je me barre. Je suis censé aller où là? Ici. Voilà. Attendez, maintenant je peux réparer ça? Non, je peux pas réparer? J'ai pris un réparateur? Non? Dommage. Oh, mais ils viennent sur moi en plus. Alors venez voir les copains. J'ai une surprise pour vous. J'ai une surprise pour vous. J'ai une belle surprise pour vous. Voilà, lui il est mort. Déjà lui il est mort.
Hop, les câbles. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai usé beaucoup de mes balles. J'ai compris la technique des explosifs. C'est pas mal. Un peu deg d'avoir gaspillé toutes les balles. Mais, au moins, je récupère des trucs. J'ai surtout safe la zone. Et je suis à l'étage de mon bureau. Du coup, ça va me permettre de me refaire des munitions. Et en fait de compte, c'était peut-être pas un si mauvais move de ma part. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va... Aïe aïe aïe. Tac tac tac. Moi il me faut, il me faut ça, voilà, pièce détachée. Ah non, non, j'en ai besoin, ça c'est utiliser cet objet sur une arme endommagée pour la réparer. Non, non, mais il me le faut. Peau de banane. D'accord. Restore 60 points psy. Mais c'est quoi les points psy en fait? On n'a pas encore été briefé là-dessus réellement. Hop. Voilà, c'est ça qu'il faut. Faut vraiment qu'on se fasse de la place là, hein, parce que là c'est vraiment terrible. Un échantillon. Poche de plasma périmée. Et ça, ça se mange. Ok. Merde. Voilà. Allez. On va voir ce que ça va donner tout ça. Voilà. Est-ce que je peux du coup refaire des balles? Oh, je peux pas. J'ai toujours pas assez. Oh, j'ai toujours pas assez. Non mais c'est une vanne. C'est une vanne. J'ai combien de... J'ai zéro matériau machin là? Ah si. Matériau exotique. Non, matériau exotique c'est pas ça. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas là. Je comprends plus rien au jeu les amis en fait. J'ai aucun truc de matériau machin là. Ah bah l'arbalète, eh frère. Allez, hop, c'est bon, ça m'a saoulé. Franchement l'arbalète elle sert à rien. Matériau synthétique, est-ce que j'ai assez maintenant? Non, toujours pas. Ah non mais c'est ça qu'il me faut. Ah, je me suis fait arnaquer. Bon c'est pas grave, de toute façon on s'en fout du... On s'en fout du machin. Moi il me faut ça là. Il me faut ça, pièce détachée. Mais ouais, mais non. Recharge glu. Ouais, en vrai. Séparé. Ok, je sépare. Je confirme. Ok, j'ai compris. Attendez. Je vais en séparer. Je vais réduire un petit peu quand même. Voilà, histoire qu'on en ait pas trop. Voilà, confirmé. Placé. Et hop, ces 20 là, voilà. Et là ça va me donner que dalle. Ça va me donner que dalle. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Non mais c'est incroyable. Oh, je suis tellement dégoûté. Je suis tellement dégoûté les amis. Ah, avec ça je peux toujours pas... Ah si, c'est bon, j'ai pu. C'est bon, c'est bon. Ce sera déjà ça. Voilà. Allez, c'est un petit peu mieux quand même. Hein. C'est un petit peu mieux. Bon, allez les amis, on va avancer tranquillement mais sûrement. Parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais j'aime beaucoup en fait la complexité du jeu. Enfin la complexité si je puis dire. Et la simplicité également quoi. Mais attendez, du coup j'ai safe en bas. Non mais attendez, j'ai safe en bas. On va visiter quand même. Si déjà maintenant on a safe, bon la tour elle est HS, bah je peux la réparer du coup. Je peux pas la réparer. Ah, il faut réparation 2. Oh, c'est une blague. Allez. Ça je peux pas ouvrir. Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, il y avait plein de bonbonnes en vrai là. J'aurais pu me faire plaisir. Gustav Leitner, résultat. Les examens ont décelé des cellules cancéreuses au niveau des poumons. Le patient n'avait pas signalé de maladie dans le formulaire avant son passage dans l'enregistreur de compétences. Contactez le patient immédiatement. S'il ne trouve toujours...
S'il se trouve toujours sur Talos 1, demandez-lui de se présenter au service traumatologie dans les plus brefs délais. Ok. Déchets biologiques dangereux. Ah, il y avait plein de bonbons explosifs, j'ai le seum. Le bruit blanc, et ça c'est quand on entend toujours un bruit en fond. On connaît bien. Ah, je peux pas. Il faut que je trouve un mot de passe. On m'appelle ? Oh ! Oh ! Oh oui ! Et attendez, maintenant que je regarde un peu inventaire, on connaît neuromode. J'en ai un. Donc je peux pas... Réparation 2, non. Et le truc de hacker là, il est où le truc de hacker ? Piratage 2, il m'en faut 4, ok d'accord. Statut, j'ai toujours rien en fait, 0% de radiation, ça sent pas bon, ça veut dire qu'on va avoir des... Mais regardez-moi ça, email. Ah, on a tous les emails. On a tous les journaux audio. Ah, on a tous les mots de passe et les clés. Ok, cool. Ah, ça c'est bon à savoir. Là, on a les plans, recherche et stats. Neuromode installé. Mimicture, on en a déjà tué 29. Excellent. Non, mais ce jeu est dingue. Franchement, les gars, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Wade, s'il te plaît, par pitié, je t'en supplie, à genoux. Est-ce que tu pourrais réparer l'opérateur médical qui trône sur ton bureau ? Ventilateur endommagé. Attends, je vais boire ça. Popstar. Ça fait de la santé. Circuit imprimé grillé. Alerte système. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Ah, il me faut la réparation 2. Ah, purée, j'aurais pas dû... J'aurais pas dû tout claquer là-dedans. Il me faut la réparation 2. Et la réparation 2. Il me faut 4 euros. Oh là 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 là. Ah mais attendez. Statut. Pleine forme. Attendez. Données. Plan. Ah non, kit de secours. Ah, on peut pas fabriquer encore de... Oh. Terrible. Terrible de chez terrible. Bon, bah ma foi. On fait bien de passer par là quand même, hein. On fait bien de passer par là. Non! Je viens de comprendre un truc. Boire, ça restaure la santé. Je suis sûr que vous me l'aviez dit en commentaire dès le départ. C'est obligé. Bonjour April. Bon bah, désolé pour toi. Mallette, ok. Ah. Oh. Vous préparez vos vacances. Allez-vous dans un endroit familier que vous adorez? Eh, c'est les mêmes questions que tout à l'heure, ça. D'accord. Ah, c'est le diaporama et tout. Ah! C'était à partir de là qu'on n'avait pas eu la suite. Un instant. C'était à partir de là qu'on n'avait pas eu la suite parce qu'on s'était fait attaquer. Est-ce qu'on va peut-être avoir une réponse à notre question, là? Non, j'ai pas l'impression. Bon flic, bon flic. C'est un extrait d'un livre, si ça vous intéresse. Exigence du programme. Très bien. Ok, meuble. Oh, une banane, je mange. Batterie disjoncteur. Ça régale, ça. Banane. Ça, on a lu. Les emails. Salut Matt, un autre de mes volontaires a présenté une note de fatigue signée par tes soins. Je veux juste m'assurer qu'elle n'est pas falsifiée. Beaucoup de gens viennent te voir pour des problèmes de stress ou c'est mon imagination ? Très bien, donc là c'est la réponse. Sujet en quarantaine, on a un code 9777. Oh, dis-moi que c'est pour là-bas. Oh, dis-moi que c'est pour là-bas. Réparation nécessaire. Veuillez contacter un ingénieur qualifié. Non, c'était pas là, c'était ici. Dis-moi que c'est pour là. Ah, dommage. Bon, au moins on a débloqué un code. Au moins on a débloqué un code. Oh non. Neuromode, ça y est. On a un nouveau neuromode, ça c'est pas mal. Il m'en faudra encore 3. Ce serait cool. Très bien. Demande de nouvel opérateur. Oh. Oh. Opérateur médical instable de la MIG 490. Diagnostic en cours. Blessure superficielle. Rien de trop grave pour un médical portatif. Vous serez sur pied en incroyable. Il n'y a pas plus en forme que vous.
Veuillez remplir le questionnaire de satisfaction. Incroyable. Afin que je puisse améliorer mes services. Il m'en reste deux. Et il va me suivre lui ou pas? Non. Mais en fait à tout moment. Oh c'est superbe. Oh c'est superbe. D'accord. Bon bah voilà. Comme ça t'es soigné à fond les ballons. Hugo Psy. Ok. Par contre le Hugo Psy, maintenant je veux vraiment savoir à quoi ça sert parce que là je commence à maîtriser le jeu petit à petit. Ça demande du temps hein. Mais ça donne envie. C'est où le Hugo Psy là? C'est cette histoire encore. Ventilateur endommagé. Hein. Hugo Psy. Restore 60 points psy. Je peux même pas l'utiliser séparé. Comment tu l'utilises en fait? Je comprends pas. Ok. Oh. Pudding. Hugo Psy. Remain to meet away from glaces. Ah. Une note. Trevor. Ah bah c'est Trevor. Le sujet semble désorienté et parano. Bah oui c'est Trevor. C'est normal. C'est cohérent. Le code. Parfait. 9777. Trevor. Je suis désolé Trevor. Je suis désolé Trevor. J'avais pas le choix. Je suis désolé. C'est pour ton bien, c'est pour pas que tu souffres. Mais c'est trop nul, moi je pensais que j'allais pouvoir le sauver et tout. Bonjour Talos. Tout le personnel doit se rendre à son poste de travail pour la journée. Si vous devez vous absenter pour une raison quelconque, veuillez en informer votre superviseur immédiatement. J'ai trop le seum! Ça servait à rien! Ah, il est encore là. Ok. Déchets biologiques dangereux. Wow. Oh non. On les retrouve tous. C'est incroyable. Bon bah voilà. Faut vraiment bien fouiller. Hein. Vraiment bien fouiller. Du coup attends tu peux me... T'es où monsieur médical là? Monsieur médical? Là. J'ai besoin de toi? Diagnostic en cours. On dirait que vous avez eu une rude journée. Vous serez sur pied en un... Let's go. Tout va bien. C'est trop bien. Franchement c'est trop bien. Donc c'est bon à savoir. Bon. Manifestement on peut pas faire plus ici. Donc il est l'heure enfin les amis d'atteindre l'atelier du docteur Calvino et enfin d'avancer un petit peu. Même si on a quand même relativement bien avancé. Et là vous allez me détester parce que je vais retourner au bureau pour me revider. Surtout pour me refaire des munitions si c'était possible. Parce que là mine de rien on a récupéré tellement de choses messieurs dames. Le ressort rouillé bien sûr. Le TV on s'en fout. Ça on prend, ça on prend. Truc de banane, vas-y allez on va mettre. Thé vert. On va garder quand même au cas où parce que ça restaure 5 points de santé. Mais c'est vrai que c'est léger 5 points de santé en réalité. Donc on va quand même se permettre de s'en séparer un petit peu. Peau de banane, pièce détachée, très bien. Matériaux exotiques, leurre à typhon, ça c'est bon. Circuit imprimé grillé. Batterie de disjoncteur. Pack de batterie pour le pistolet. Disjoncteur étourdissant. Allez hop, ça dégage. Je vais peut-être le regretter, mais c'est pas grave. Cartouche de fusil à pompe. Oh, bon, on va garder parce que quand on l'aura, on sera bien content. Et comment je peux augmenter la taille de l'inventaire? Parce que quelque chose me dit qu'on peut augmenter la taille de l'inventaire. La capacité modification de combinaison augmente la taille de votre inventaire. J'imagine que... Nécropsie. Oh! Oh mais il y a trop de trucs à débloquer. Double la durée du statut, pleine forme et la quantité. Il y a trop de trucs à débloquer. Je sais même pas quoi prioriser. C'est terrible. C'est absolument terrible. Est-ce que tu crois que je peux encore faire des munes? Kit de secours, balle de 9mm. Non, dommage. Je ne peux pas. Kit de secours, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? J'ai déjà des kits de secours sur moi ou pas? Attends, trie l'inventaire parce que je comprends plus rien. Kit de secours, j'en ai deux. 45 points de santé quand même, les gars. Allez. On va s'en faire un petit troisième quand même. Ce sera jamais perdu. Voilà. Allez, c'est parti. On n'est pas trop mal. On va enfin pouvoir y aller. Mais moi, je suis content parce que du coup, je commence à enfin adopter les techniques. Et encore, c'est que le début.
Mais on a safe la zone. C'est ça ce qui est important, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a safe la zone. Et du coup voilà, maintenant on peut revenir là tranquillou bilou. Personne ne devrait nous attaquer. Ah tu vois là, pour récupérer ça il me faut le nécropsy quoi. Organe de typhon. Un typhon, fond, fond. Et là-bas y'a rien, on est d'accord, on y est déjà allé mais je crois qu'il y a rien. Ah mais si là. Yes. Encore un boss. T'inquiète mon gars. Voilà. Ça, c'est une affaire qui roule. Ça, c'est une affaire qui roule. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a trop de trucs hein. C'est impressionnant, ce jeu est tellement complet. Je regrette vraiment d'être passé à côté à l'époque hein. Je vous le dis, mais je suis content de le découvrir aujourd'hui. J'ai l'impression que les jeux d'avant, enfin les jeux d'avant, les jeux genre en 2017, c'était les meilleurs au final, j'ai l'impression. La domination précoce des États-Unis en ce qui concerne le premier ascenseur spatial fonctionnel, le pavillon des cigognes, leur a permis de contrôler quasiment toutes les activités et le commerce orbitaux. Ah, et les fameux ascenseurs... Est-ce que vous pensez que ça va avoir le jour, ces fameux ascenseurs spatiaux? Ça me paraît, mais c'est complètement débile d'y croire. Enfin, je me trompe certainement et ce serait excitant, quoi. Mais c'est pas possible, en plus, avec les débris spatiaux, avec la rotation de la planète. C'est pas possible, je comprends pas à quel moment c'est possible. Mais bon. Ah, c'est un mimique, ça va. Voilà. Ça régale, ouais. Dès que tu trouves à boire, à manger, faut boire, manger direct, en fait. Hein. J'ai capté maintenant. Installation de neuromode. Bon, ça, on connaît déjà ces instructions, on les a déjà lues. L'ordi ne fonctionne pas. Synthécube. Ok. Un nouvel email. Tu peux pas les envoyer chez toi. On a déjà remarqué leur disparition. Un mois de salaire et je les fais disparaître. Mais de quoi parle-t-il? Je pense que... on parle de choses illicites. Lecteur de bande magnétique. Ok. Très bien. Ah... okay. C'est gigantesque. Je n'ai pas de carte d'accès. Je pense qu'on va débloquer au fur et à mesure les cartes d'accès. Et à chaque fois on va revenir en arrière. Ça ce qui est ouf. On va aller en avant, on va débloquer des trucs, on va revenir en arrière, etc. C'est super cool n'empêche. Moi je trouve ça génial. L'ascenseur spatial on l'a déjà lu. Y'a rien d'autre? Non y'a rien d'autre. On vient de là? Ah oui on vient de là. Ok bah voilà. On a fait le tour, on a bien fait. On a franchement bien fait. Allez! Direction l'atelier du docteur Calvino. Eh ben non, j'ai encore trouvé un nouvel endroit. Ah mais non. C'est à combien, je suis con? Ah oui, tout à fait. Quel débile. Là j'ai tout fouillé. Hein. On est d'accord. Allez, on y va les amis. Eh ben, c'est une pépite. Hein. C'est une pépite. On avance, on s'élance, on y croit. Accès en cours, laboratoire technique. Là ça va un petit peu moins rigoler parce que c'est vrai que là-bas il y a du people qui nous attend. Hein. Évidemment c'est un petit peu moins la fête. Hein. Bon, on va quand même bien refouiller. Bon là normalement c'est safe si ça ne respawn pas. Ouais ça respawn pas, c'est impeccable. Là on avait tout vu, les emails on avait vu. Je vérifie parce que s'il y a un euro... Ah regarde il y a du TVR ici. T'as vu ça? Il y a du thé vert. J'ai pas tout fouillé en fait. Hein. Là on récupère la santé, je suis au max hein, quasiment là. Je suis quasiment au max. Là on peut profiter du télescope. C'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je ne sais pas. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je ne sais pas. On me drague. Par contre il faut que je récupère, que je répare ma combinaison. Non même pas. Pas besoin. Attends, bougez pas, modificateur d'armes. Oh attendez, modificateur d'armes. Les gars, pistolet. Attendez. Comment je fais? Comme ça. Améliorer. Voilà.
taille des chargeurs, portée, précision. Alors, puissance de feu, j'améliore. Je peux même pas améliorer davantage. Par contre, taille des chargeurs, je passe de 15 à 17. En vrai, ça va. Portée 15-20 mètres, ça c'est super important. Et voilà. Et je n'ai plus de modificateur d'armes. Mais du coup, ça me libère de la place, cela dit. Et ça, c'est pas mal. Pièces détachées. Là, je peux. Ah ouais, parce qu'il y a des armes qui se cassent. Fléchette pour l'arbalétrière. Ouais, mais c'est de la merde, ça. Mais il est où mon machin de réparateur? Là, voilà. Utilisé. Voilà, comme ça, j'ai réparé ma combinaison. Et j'ai plus de place dans mon inventaire également. Ça fait plaisir. Mais par contre, c'est quoi ce... Alors je peux pas bouger ma vue malheureusement. On va voir la planète apparaître, c'est stylé. Mais par contre c'est quoi ce... On dirait il y a un dinosaure dans le vide qui bouge pas. Alors je pense que c'est un... Que c'est un bug. Parce qu'il y a tout qui flotte et tout. Mais c'est super intéressant. Regardez notre belle planète là, comme elle est belle. Ah, on est quand même mieux sur la Terre. Hein. Bon. Mais c'est quoi qui fait ce bruit? Y'a absolument personne. Et ça, je suis sûr qu'il y a moyen de casser. Hein. Non? Ah mais c'est juste au-dessus de moi en fait. Mais attendez, je peux grimper non? Même pas? Attendez. Je vais juste revenir ici. Oh, on peut faire des glissades incroyables. Équipage. Parce que là l'équipage... Merde. Oh là là. C'est tellement complet. Utilitaire. Déverrouiller le casier de sécurité. Oh! Je viens de déverrouiller le casier de sécurité. Modificateur d'armes. Oh, on a récupéré des balles de 9 mm. Non mais attendez, c'est complètement dingue. Ah oui, il est là-dedans le gars qui fait du bruit. Donc là, je peux y aller à tout moment. Ok, on va y aller après. Vous inquiétez pas, on va y aller. On va y aller, vous inquiétez pas. Mais d'abord, regardez, je viens de déverrouiller ici. Pièce détachée. Je déploie la tourelle. Au cas où. Voilà, on récupère tout ce qu'on peut. Non mais c'est incroyable. Non, on peut grimper, c'est sûr. Mec. C'est incroyable. C'est bon, il m'a pas cramé à 100%. C'est incroyable. Eh, ce jeu est complètement dingue. Ça me troue le cul, hein. Ce jeu me troue le cul. Hein. Bon, vas-y. Merde. Vas-y, grimpe là. Faut bien qu'on finisse par se le faire lui aussi. Voilà, il est cryogénisé. Et il est mort. Bon, en fait c'est dommage parce que j'utilise mes balles, mais je pense que quand je le cryogénise, faudrait plutôt que je le matraque. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas encore les réflexes là parce que bah, ça me fait peur en fait. Ça me fait juste peur. Ah ouais, non mais attendez, mais... Ça part dans tous les sens, c'est légendaire ce jeu, c'est bon là, c'est bon, c'est bon. Je vais faire que des compliments à ce jeu. Ok. Oh, Niki Tanar. Bon bah mon frérot. Canon glu. J'ai encore un canon glu? Du coup j'en ai deux. Ah oui, j'ai deux canons glu. Mais à quoi ça sert d'en avoir deux en vrai? Ça sert à rien. Ah bah si, ça permet de désassembler, ouais. Trois pièces détachées. Résultat du désassemblement. Améliorer. Non, non. Améliorer. Capacité de neutralisation. Vas-y, j'améliore. On va en profiter.
Et j'en ai encore un, je crois. Stabilité, portée. Voilà, ça fait de la place dans l'inventaire et puis en plus ça permet d'améliorer, donc c'est impeccable. Par contre ça, ça va me prendre de la place pour rien. Hein. Mettre en favori, non, non, ça va aller. Ok. Impeccable. Impeccable. Cuisinier, cuisiner le chou-fleur, très bien. Allez, un petit vin. Paf, paf, ça régale. Les placards, très important, regardez, une petite pomme. Mazette. Hop, on boit un coup. En fait, faut interagir avec tout, quoi. Ça aussi, je mange. Regardez ma santé, comme elle se fait plaisir, là. Oh, ça régale. Voilà. Je pense que je peux aller de l'autre côté, en vrai, non? Pas du tout. Je suis où, là? Ah oui, non, tout à fait, absolument. Oui, oui, je suis là, d'accord, ok. Alors... Donc t'as vu, je peux aller là-bas. Mais attendez, on n'est pas... On a encore l'étage là-haut là qu'on peut checker. Non mais c'est impressionnant, hein. Franchement, ce jeu m'impressionne en tout point. Je... Recharge glu, oh magnifique. Aucun mot de passe, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin mon pote. Allez, c'est parti. On passe par ici, allez tu peux le faire. Vite, 6 secondes, et c'est... J'adore. 3 emails. Vous avez gagné à ceux qui ont donné des bras à notre cher monsieur Glubert de Gluville, aussi connu sous le nom de première équipe, je m'incline. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire mieux que le chapeau boîte d'anguille. On se prend des trucs dans la gueule, hein. Évidemment, je me trompais, ces magnifiques mains en gants de baseball ne peuvent être égalées. D'accord. Si vous avez besoin de fournitures, on a un code dans le placard 7006 de l'atelier mécanique. Ok. Et ça, c'est les résultats des essais glu. Atelier mécanique. Alors, comment je peux faire pour voir la carte de nouveau, dites-moi. Carte. Atelier mécanique. Ah bah, c'est là. Ça va être là. Je commence à comprendre le jeu, j'adore. Donc, de toute façon, c'est là où on va. Hein. Ah bah non, nous, on veut aller là, nous. Nous, on veut aller à l'atelier du Calvino. Il y a trop de trucs à faire. Il y a trop de trucs à faire. Je ne peux pas réparer cette tourelle. Ah ! Pétasse. Abuse pas. Monsieur. En fait, j'ai toujours pas compris comment esquiver les coups. Mais bon, c'est pas grave. Je peux récupérer ton loot ou non? Atrium, nous y sommes. Donc là, je suis juste au-dessus. J'ai même pas déverrouillé la porte d'en bas. Plutôt pas mal. Une grande partie de la technologie à bord de cette station est conçue ici. Équipement scientifique, pièces sur mesure, prototype. Nous devrions pouvoir réparer votre terminal miroir à l'atelier du docteur Calvino. Ok. Ah oui, le fameux truc miroir pour oui, pour pour notre mémoire là, se parler quoi. Thaddeus, garde un œil sur Franklin. Cet homme passe beaucoup trop de temps sur des projets perso. C'est vous qui avez perdu ça. Il y a tellement de mails, c'est trop cool. Et un nouveau code 9969 pour le bureau du directeur Thorstein. Ok. Thorstein. Est-ce que je peux ouvrir là? Oh parfait, c'est ça. 9969. Thorstein. J'arrive, Thorstein. Y'a quoi à faire chez toi? Pas grand chose. Pas grand chose. Et si? Ah. Et là, je viens sur lui et je le tape. En effet, ça marche. Oh non, j'ai trop le seum. T'es où, trou de cul? Votre santé est basse. Ah, attends, bouge pas, mon gars. Regarde ce que j'ai. J'ai des trucs à manger, c'est cool. Ça là. Voilà. Donc, ouais, le matraquer, c'est une bonne idée. Par-delà les étoiles, l'histoire officieuse de Transistar.
Surnommée la théorie du camp de Rise, cette découverte s'est avérée le point de départ d'une série de miracles scientifiques produits par Transtar en moins d'un an. Prenez par exemple les opérateurs, désormais omniprésents, qui profitent d'un effet de lévitation localisé dérivé des développements de la théorie en matière de gravité, des interactions de matière au cœur des recycleurs à la gravité artificielle qui maintient fermement nos bottes sur le marbre italien du Grand Hall de Talos 1. L'impact de la théorie du Dr. Reyes est indéniable. Il est passé où ? Attends, il est passé où ? Mais attends, mon gars ! Eh ? Ah, il est là-bas. Allez, meurs. Voilà. Parfait. Nouvelle carte d'accès. Incroyable. Je crois que c'est le directeur du laboratoire. J'ai l'impression qu'il vous admirait. Quel dommage. Oh non ! Non, non, attendez, j'ai pas le temps, là. Allô ? Hey, c'est Lingley. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal ? Non. Comme quoi ? Je voudrais pas vous effrayer. Qu'est-ce qui se passe ? J'en suis pas sûr. Les gardes courent dans tous les sens. Donc tout le monde travaille encore là-bas. Je suppose. J'en sais rien, j'ai passé la journée... Attends, si tu oublies le code, ESXE. Oh. Attendez, je regarde. Je... C'était quoi ça ? Oh mon dieu, je crois qu'on vient de perdre deux labos. Quoi ? Je dois y aller. C'est la merde. C'est la merde, les gars. Par contre, ça c'est C'était quoi ? De ESXE ? ESXE. Comment tu fais pour trouver ça ? ESXE. Putain, mais c'est quoi cette histoire ? Attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Pleine forme, dégâts de la combinaison. Oui, oui, t'inquiète, je vais m'en occuper après. Email, plan, clé. Oh, il est même pas marqué. Ça devait être une connerie alors. Par contre, ouais, la combinaison, bah la combinaison, ça va la combinaison, ça va. Il y a pire. Par contre, j'ai du mal à trouver ce que je veux à chaque fois dans l'inventaire et ça m'énerve. Mais je crois pas que j'ai de trucs. Kit de réparation de combinaison, ouais, c'est bon. Voilà. Comme ça, au moins, c'est gigantesque. Non, mais stop, là, on va où encore ? Ah ! Putain, mais. Mais viens là ! Ok. Ah, et maintenant il vient sur moi. Il sait pas ce qu'il veut, lui, hein. Il était là. Voilà ! Voilà ! Tu vas faire quoi, mon grand ? Impeccable. Oh, fragment d'astéroïde. C'est excellent. T'as quand même plusieurs... Alors, j'ai toujours pas compris comment esquiver. Cela dit, t'as toujours plusieurs façons de combattre. C'est exceptionnel. Ah ! On revient là. D'accord. Et ça va où si je vais là ? Je suis un petit gueudin, moi, j'y vais. Ah, mais y'a rien. Oh, c'est une caisse. Très bien. Oh, mais j'ai bien fait de venir là, moi. Oh, mais j'ai bien fait de venir moi. De venir là. Ok, est-ce que je peux au moins... Ah ouais. Ah, si, par là. Putain, heureusement, ils ont pensé à tous les développeurs, parce que sinon... D'accord, bon, bah écoutez, y a plus qu'à. On va pouvoir y aller, de toute façon, on était juste au-dessus, donc c'est pas... Ah, mais maintenant, il est en haut, je crois, le gars. Le fantôme, là, non ? Ou bien ? Il est où, le fantôme ? Ah oui, il est là. Il m'a pas vu. Oh, mais il est mort. Ah, mais en fait, tu peux le tuer avec le canon glu, en fait. Ah, je savais pas du tout, ça. Tu peux le tuer avec le canon glu. Ok. Bah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je vais ramener la tourelle ici, sait-on jamais. Ça peut toujours servir. Pour couvrir mes arrières. Voilà. Alors, qu'avons-nous là ? Et il est super intéressant cet épisode. Parce que là, je trouve qu'on avance réellement. Il y a un petit coup de pchit-pchit par ici. Ça régale. Ah !
Alors, Ballistic Lab, ouais, c'est tout ce qui est chimique ici, tout ce qui est armement. Donc attention tout de même. L'électronique pratique. Superbe. On a encore un ascenseur qui n'a pas l'air de... Mais non, mais c'est un ascenseur Minecraft. Oh, c'est incroyable. C'est un ascenseur Minecraft. Donc l'atelier est juste en bas. Oh, Medicentre, kit de secours, plan de fabrication de kit de secours. Je l'avais déjà. Ok. Distributeur d'opérateurs, ben impeccable, moi là j'en ai pas besoin. Mais c'est très très bon à savoir. Et là on a un accès à la salle de maintenance. Ok. Ok, circuit imprimé grillé, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Ça régale. Tant pis. Ah si, attends, j'ai pas un truc d'amélioration. J'ai pas un truc d'amélioration. Si si. Alors attendez, je vais prendre le pistolet. Améliorer. Précision. Je peux pas. Mais non, mais j'ai pas de modificateur d'arme. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Je peux même pas l'améliorer en fait. Ok. Tu vas faire quoi? Je savais que t'étais là en plus. Franchement, tu m'as même pas fait peur. Je savais que t'étais là. Bon, toi, je savais pas. Viens là. Arrête de faire ton gamin. Il est où? Ah! Oh la pétasse! C'est pas possible! Bon, d'accord. Ça le lâche. Atelier mécanique. Ah ouais, non mais là c'est pas là que je devais aller encore hein. Ah ouais, non mais attendez, c'est pas là que je vais aller encore hein. Allez, moi je vais à l'atelier. Je vais à l'atelier. Pas le temps pour vos conneries là. Pas le temps pour vos conneries. Ah, il y a tellement d'accès. The last frontier is human mind and we are its pioneers. William Yu. Ah, c'est la famille Yu, ça, clairement. Oh, encore un pistolet. J'en ai pas besoin, moi, de te pistolet. Par contre, les balles, ça. Ça. Je prends. Oh là là. Il y a une brèche dans cette partie du laboratoire. Aucune atmosphère, aucune gravité. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Mais d'abord, il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. Oh là là, c'est incroyable, on va vraiment faire des sorties spatiales là? Merde, en effet. Trouver un plan de fabrication pour le système de propulsion. Ok. Bon, alors par contre, Bellamy, le service traumatologie, on n'y est toujours pas allé. Et ça m'énerve. On est là actuellement. Service nécrologie. Carte de la station. Attendez. C'est si compliqué. C'est si compliqué. Là, c'est là où on est. Laboratoire technique. Entrer dans l'atelier du docteur Calvino et trouver un plan de fabrication, ça, c'est pas un problème. Mais bordel! Attendez! Histoire principale, hein, voir sur la carte laboratoire technique. Laboratoire technique. Ouais, c'est là où on va aller, de toute façon, c'est pas le problème. Mais moi, ce qui m'embête vraiment, c'est le cadavre Bellamy dans le service traumatologie Grand Hall de Talos 1. Ah, c'est là-dedans, mais j'ai pas de carte en fait encore. Ok. Bon, bref, c'est derrière nous quoi de toute façon. Bon, on va continuer la trame principale. On va y arriver. Le problème, en fait c'est mon problème, mais bon, c'est cool aussi, hein, c'est le but du jeu, hein. Tu l'achètes, autant en profiter à fond. Mais voilà, je suis tellement curieux, j'ai envie de tout savoir, tout faire. Et pas dans l'ordre, j'ai envie de tout faire quoi. Donc c'est un peu complexe.
quoi cette merde là? Non mais là j'ai pas compris là. Je me suis fait électrocuter là. Bon, c'est pas bien grave ça. C'est un détail de l'histoire. Dira-t-on. Il y a une brèche dans cette partie du laboratoire. Ouais, ça marche. Aucune atmosphère, aucune gravité. Ah, c'est ça. Vous pourrez l'atteindre en passant par le sas extérieur de l'atelier mécanique. Oh. Attends, registre de maintenance. Ok. Il faudra installer un système de propulsion sur votre combinaison. Alimentation centrale. Je viens d'éteindre l'alimentation. Je viens d'éteindre l'alimentation. Ce qui va peut-être nous permettre. Ah, attendez. Déjà. On va se frayer un chemin ici là. Voilà. Kit de secours. Ok. Ça, écoutez, c'est déjà pas mal. Ah oui, il n'y a plus de lumière là. J'ai éteint les lumières. C'est quoi ça? Batterie à rayonnement. Ah. Là, j'ai vraiment plus de place. Hein. Mais c'est peut-être pas une bonne idée d'éteindre des lumières, non, en vrai? Réactif, c'est mieux. Je préfère. Alors. Bah, et puis ça permet d'ouvrir les portes aussi. Scène de présentation. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Oh, ça s'arrête jamais. Quill Lawrence. Ils se sont tous transformés, les pauvres. Je vais l'attaquer par surprise. Meurs! Meurs! T'es où? Laurence, je te veux pas de mal! Oh bâtard! T'as été trop forte. Voilà, allez. Désolé Laurence. Recharge glue, impeccable. Des tuyaux en plastique, impeccable. Ah, je commence à prendre la confiance, hein, ça fait plaisir. Hein. Je pense que vous voyez un petit peu mon évolution. Mon évolution emplie d'impact. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, augmente les chances de repousser un adversaire avec la clé à griffe. Oh, mais c'est superbe. Et je fais comment? Installer puce. Et je vais pouvoir installer différentes puces sur WAM. Oh là 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 là. Oh, ça va être. Mais non, mais le jeu est tellement complet, ça va durer quoi? Une centaine d'heures, c'est pas possible. J'ai 4 neuromodes, j'avais pas fait attention à ça. J'avais pas fait attention à ça, je sais pas à quel moment je les ai eus. Réparation 2. Réparer les tourelles, opérateurs et raccordements électriques endommagés. Ou alors. Piratage 2. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut. Ah, il y a la nécropsie. Récupérer plus d'organes importants des restes de typhon. Les organes typhon peuvent être recyclés en matériaux exotiques. Servant à la fabrication de neuromodes. Ah, 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 il veut m'inciter à prendre la nécropsie, je reconnais ça. Hein. Les organes des typhons peuvent être recyclés en matériaux exotiques servant à la fabrication des neuromodes. Ouais, mais pour le moment, j'ai pas encore la fabrication des neuromodes. Allez, vas-y. On va prendre la nécropsie. Au pire, on trouvera des codes pour, au lieu de pirater. C'est pas grave. Puce! Vous pouvez améliorer votre combinaison Transstar ainsi que votre psychoscope avec des puces pour obtenir divers avantages, notamment celui qu'on vient d'avoir. Et donc je vais pouvoir repousser les ennemis maintenant avec ma clé à griffe. Impeccable. Enfin, en tout cas, on augmente les chances de repousser. Voilà, ce qui va nous permettre de faire des esquives. Ça répond à ma question. Et là maintenant, je peux récupérer, voilà, organes de typhon. Avant, je pouvais pas tout récupérer. Maintenant, je peux. Et en plus, j'ai en plus des matériaux organiques. Là, ça régale. Et on a un recycleur ici. Non, mais que veut le peuple? Que veut le peuple? Allez, on transfère. On transfère. Cartouche de fusil à pompe. Oh, ça prend de la place pour le moment, juste pour deux, donc j'enlève. On transfère, on transfère, on transfère, on transfère. C'est magnifique. On va faire de la place là. Clé à griffe. Pourquoi j'en ai deux? Ça dégage.
Ah, je pense qu'en vrai, au tout début de l'aventure, quand on choisissait la difficulté, je pense qu'on pouvait choisir le fait que les armes se détruisent. Je pense, hein. Bon, heureusement, on n'a pas choisi ça. Tuyau en plastique. Regardez tout ce qu'on recycle, là, ça régale. On va trier un coup, quand même. Tac. Les 5 points de santé. Allez, on jette, parce que maintenant, on n'en a plus besoin. On est des beaux gosses. Cartouche de mousse. Recharge le canon glou. Non, ça, il faut que je garde, évidemment. Tac, tac, tac. Et tac. Alors là, j'ai de quoi gagner énormément, là. Là, j'ai de quoi gagner énormément. Et j'ai 6 kits de secours sur moi, mais c'est superbe. C'est excellent. Bon, là, normalement, on se fait plaisir. Là, normalement, on se fait globalement relativement plaisir. Voilà, et encore, il y a des matériaux, là. Oh là là. Disque dur HS. Oh, j'ai encore un disque dur HS. Attendez, bougez pas. Il est hors de question que je le garde. Voilà. Impeccable. Bah, si là on n'est pas bien, franchement, les gars, je ne sais pas. Hein. Fléchette de flexi. Oh, mais au final, je suis en train de. Oh, une arbalète encore. Pff. Attendez, je récupère encore tout ce qu'il y a et je recycle de nouveau parce que sinon, on va de nouveau être full pour rien. C'est pénible. Voilà. Excusez-moi. Hein. Tuyau en plastique, putain, j'avais même pas vu ça. Oh, légendaire. Légendaire ce jeu. Donc, tac, 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 tac. Et tac. Et ça, c'est important pour la fabrication des neuromodes. Oui. Pour le moment, je peux toujours pas en fabriquer, mais bon. Et ben, ça régale. Et cet épisode est superbe. C'est le meilleur épisode pour le moment de l'aventure, je pense. Plan de fabrication Artax. Ok, ce serait là-bas qu'il faut aller, mais attendez. D'abord, canon glu. Sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais écouter. Docteur Thorstein, bon sang, où êtes-vous? Dans l'atelier mécanique, j'étais... Je viens d'entendre une explosion. Oubliez ça. Prenez tout ce que vous pouvez et venez dans mon bureau. Nous devons évacuer. Comment? Qu'est-ce que... Les neuromodes, des matériaux exotiques. Ne perdez pas de temps. Retrouvez-moi dans mon bureau. Bien, monsieur. Oh, et apportez le canon glu. Ok. Ok, ok, ok. Et bien voilà. Bon écoutez, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Je récupère encore ça, je vais recycler ça. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Le prochain, du coup, on va retourner. On va aller enfin voir l'atelier du docteur Calvino. Parce que ça fait mine de rien plusieurs épisodes qu'on n'y est toujours pas allé au final. Mais on avance bien. On va aller à l'atelier du docteur Calvino. Et puis on va chercher ce fameux plan de fabrication Artax, évidemment. Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous connaissez la chanson, c'est le like qui fait la récompense. Le référencement YouTube, toi-même, tu sais, même si bon, on va pas se mentir. Voilà, hein. Mais ça fait plaisir. Et puis le commentaire également, j'ai hâte de vous lire, évidemment. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.